Bonjour à tous et à tous, c'est Anjakilan. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur FIFA 13 Ultimate Team. Donc c'est un épisode de Lionel Messi veut retrouver le haut niveau. Et comme vous le voyez les gars, on est une équipe full argent. Bon, mis à part Lionel Messi bien évidemment. Donc voilà, on est une belle équipe, belle équipe. Il n'y a même pas assez de belles pour dire combien je la trouve belle. Alors à droite on a l'As. Alors l'As, écoutez les gars, je suis pressé de le tester. J'ai déjà fait deux matchs avec. Ce que je peux vous dire par contre, c'est qu'il n'est pas technique du tout. Pas technique du tout. On va voir ce que ça donne. Il est très rapide. Donc bon, normalement ça devrait le faire. Piatti, 86 de vitesse. Rapide aussi. Assez petit, certes. Gaucher, 4 étoiles gestes techniques. Donc c'est certes un peu plus technique. Là où on peut voir franchement l'As, il a un petit truc plus. Enfin, ce qui est vachement impressionnant, c'est que les propriétaires de ce joueur auparavant. Il a fait 132 matchs et il a marqué 103 buts, donc c'est quand même assez énorme. Donc d'autre part, j'espère que vous entendez la différence de ma voix. J'ai peut-être totalement une autre voix, écoutez. J'ai excusez-moi, j'ai commandé un nouveau micro et je l'ai reçu. Là je suis en train de jouer avec, je suis en train de commenter avec. Donc c'est un Yeti Blue pour ceux qui connaissent. Donc aujourd'hui je devais faire une vidéo et puis je me suis dit bon bah j'ai pas encore reçu mon micro donc je vais faire avec mon ancien micro. Et puis bon bah je vais voir dans ma boîte aux lettres et puis bon bah nouveau micro, c'est magnifique. Alors nouveau micro, je commande directement avec donc je pense que vous voyez la différence. Mais j'ai fait aucun réglage dessus, il est tel quel, je l'ai posé sur ma table. Bon j'ai fait 2-3 réglages mais des tout petits réglages. Je l'ai branché et je commente. Donc j'espère que tout de même ça sera un peu mieux que ce que vous entendez avant dans mes précédentes vidéos. Mais bon, pour les prochaines vidéos, peut-être dites-moi dans les commentaires, franchement, en plus des joueurs que vous devriez choisir à la fin de vidéo, écoutez, dites-moi dans les commentaires si j'ai besoin de faire des changements ou pas, des réglages ou pas, ou si comme ça, ça vous plaît. Ça m'arrangerait que vous me dites dans les commentaires que comme ça, ça... Ça vous plaît parce que, écoutez, d'ailleurs, s'il y en a un parmi vous qui ont un Yeti Blue, je l'ai acheté 100€. Donc, vous voyez à peu près la gamme. S'il y en a entre vous qui sont youtubeurs ou même pas forcément youtubeurs et qui ont le micro là et qui arrivent parfaitement à faire des réglages, écoutez, les gars, envoyez-moi un message privé et je serai vraiment assez content que vous me donnez un petit coup de main. Donc, bref, on va parler un peu du gameplay. Alors il y aura peut-être, attends, je vais juste dire un petit truc, un petit dernier truc. Ouais, il y aura peut-être parfois des petits bugs au niveau de ma voix, hein, je m'en excuse. Clairement, je m'en excuse. Donc on va revenir un peu au gameplay. Donc je sais pas si vous l'avez vu, mais Lionel Messi a pas une bonne compo. Donc ça veut dire qu'il a que 6 de collectif. Alors je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce qu'il joue dans une autre équipe. Hein, il n'y a pas 36 secrets. Il joue dans une autre équipe. Du coup, Lionel Messi de la tête. Ah c'est dommage, il tire et il est mort. C'est magnifique, Lionel Messi, vous voyez. Il a beau avoir 6 de collectif, il est quand même là. Donc ouais, il joue dans une autre équipe que je vais vous présenter d'ailleurs prochainement, un 3-5-2 qui est plutôt magique. Je vais vous présenter normalement cette semaine. Parce que je vais vous présenter cette semaine tout simplement parce que je vais la revendre l'équipe. Je vais la revendre. Et ouais, pour m'acheter une autre équipe. Et surtout parce que les gros joueurs, ils vont perdre de la valeur avec la sortie de la Team of the Season, je crois que ça s'appelle comme ça. Des Team of the Seasons. Donc voilà, donc c'est pour ça, je vais plutôt... Attention. Ouais. Nickel. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais changer un peu l'équipe et donc je vais la revendre. Mais avant, je voulais quand même vous la proposer. Et alors, comme vous le savez, je vous propose des hybrides autour de Messi, mais je vais aussi vous proposer des hybrides... Attention. Lionel, Messi de la tête et la barre, malheureusement. Ah, c'est dommage. Ah, on aurait pu mettre un petit doublé de Lionel Messi, c'est dommage. Donc voilà, attendez, j'étais en train de dire quoi? Attendez, ça va me revenir. Allez. Non, il passe pas. Il a pas le droit de passer. Tranquille, Luna. Ah non, la remise dans l'axe. Ouh, c'est dommage. Donc, oui. Donc, je vais vous proposer, bien évidemment, comme vous le voyez, des hybrides autour de Messi. Mais aussi des hybrides low cost. Franchement, des hybrides à bas prix, des bas prix. Ou des hybrides tout simplement normales. Hein, mais vraiment, j'ai vraiment envie de proposer des hybrides pas chers. Et là j'ai créé une team, honnêtement elle vaut que 20 000 crédits. 20 000 crédits, vous imaginez que 20 000 crédits, hein, c'est franchement pas beaucoup. Et je peux vous dire que cette équipe est juste énorme. Franchement je préfère limite jouer avec elle qu'avec mon 3-5-2 magique.
Donc 352 qui vaut quand même quasiment 2 millions 500, 2 millions de crédits. 2 millions de crédits. Oh, il y a un missile qui fait un festival et qui tire et qui mort, c'est magnifique. Ah, quel geste technique de Lionel Messi qui va se retourner. On va voir comme ça, hop là, crochet, qui en met deux dans le vent et qui frappe et qui marque. Voilà, bon, écoutez les gars, 2-0. Allez, c'est parti, je suis chaud là. Je suis chaud, franchement. Mon équipe est plutôt bonne. Hein, je dois vous l'avouer, même si... Bon, évidemment, j'ai Lionel Messi, hein, les gars, j'ai Lionel Messi. Allez, allez, Las. Débande-moi ça, débande-le, le campanero. Oh, magnifique. Allez, Anan, dans la tête, il est juste énorme. Non, pour Piatti. Piatti, allez. Invente-nous quelque chose. Invente-nous quelque chose. Ah, dommage, dommage, dommage. Le premier dream n'est déjà pas passé. Alors, faut qu'on fasse attention à notre défense qui me fait parfois quand même un peu peur. Alors que là, ouais. Ah non, je me suis troué. Ah, il s'est complètement troué, le gardien. Regardez. Ah, c'est dommage, c'est dommage. On va essayer de pas se faire rejoindre. Hein. Alors, c'est vrai, ma défense, au départ, j'avais un bon a priori. Mais plus les matchs passent, et plus je me dis qu'en fait, elle est vraiment pas terrible. C'est. Ouais, elle est vraiment pas très très terrible. Mais on va faire avec, on fait avec, de toute façon on n'a pas le choix. Et Lionel Messi, il se remet sur son gauche, oh le tacle, oh là là, il a de la chance, on était tout proche du triplé de Lionel. C'est dommage, avec la tête peut-être, non, toujours pas, non, allez. Allez Luna, il va retrouver Lionel. Allez Lionel, il va centrer, magnifique. Allez coupe-moi ça, ah dommage, il a failli couper la trajectoire du ballon, Piatti. Oh Luna, fallait mettre le pied. Comme vous voyez, ouais, je suis vraiment à fond dedans, je prends du plaisir à jouer ce match. Alors que là, j'espère que vous n'avez pas entendu mon portable qui a sonné, c'est une messagerie en fait. Non, c'est pas une messagerie, quand je reçois un message en fait, c'est une sonnerie en fait, on a l'impression que c'est une merde qui tombe dans l'eau. Attention, oh non, non, c'est quoi le dégagement là-haut? Mais c'est quoi le dégagement de Sergio Asenjo là-haut? Oh, je te mets au max, et mon gars, t'as pas que ça dans les bras, j'espère. Oh non, il a marqué franchement deux buts, mais deux buts où je me trouve. Clairement, je me trouve, je fais sortir mon gardien de premier alors que je dois pas le faire sortir. Il n'a même pas besoin de plonger, il fait une passe dans le but, il y a but. Et là, mon gardien se trouve. De toute façon, je vous dis, les gars, quand je vous dis que IE n'est pas avec moi, je pense que ça se voit nettement au gameplay. Non, franchement, IE en ce moment, je sais. Oh non, mais laisse jouer. Rouge, ouais, j'aime bien. Non, laisse pas jouer, rouge. En fait, j'ai passé une belle série. Hein. Franchement, j'en ai pas parlé, mais c'est une belle série. Hein. Ouais, donc clairement, en ce moment, IE n'est vraiment pas avec moi. C'est de l'abus. Attention, Pati. Qu'est-ce qu'il va faire, mon Pati? Et Pati, il va déborder, il va centrer. La tête de l'As, non. Oh, il va faire quoi, là? Il met pause, il va faire certainement rentrer quelqu'un. Allez. C'est parti, allez. Allez, s'il pouvait appuyer sur Start, ça serait vraiment pas mal. J'ai rien de spécial à vous dire, hein, si ce n'est que on a fêté les 2000 abonnés il n'y a pas si longtemps que ça, et franchement, ça augmente encore. Et franchement, je tiens vraiment à vous remercier. Alors que là, vous avez vu que il a mis Start au mauvais moment parce que j'aurais eu la balle. Mais j'étais pas prêt quand il a dit de jouer. Et ouais. Mais écoutez, ça c'est vraiment pas fair play de sa part de mettre Start déjà à un moment comme ça. Je trouve que ça se fait pas. Enfin bon. Allez, Lionel, il va perforer la défense. Ah, dommage, j'ai eu le pied. Oh, il a mis le pied. Oh, il a laissé traîner son pied, c'était bien joué de sa part. Mais ça aurait pu faire très très mal. Eh, hey, Luna, bien joué pour ton gardien. Bon, Sergio Asenjo. Ouais, bon, bah t'as rien dans les bras, mon vieux. Allez, c'est parti. Piatti. Ah, Piatti, j'attendais la meilleure. Le meilleur moment pour faire une passe, et il n'y a pas de meilleur moment. Là, Biabiani, évidemment, il nous prend de vitesse. Il frappe. Sergio Asenjo qui n'a pas de main. Allez, c'est parti. La contre-attaque. Oui, bien joué, Las. Bel appel. Las qui fait vraiment des appels extraordinaires. Eh, mais oh, il y a peut-être faute, là. Il le savate, le mec. Ah, non, je me suis jeté. Il envoie encore ses flèches. Eh, voilà, bon, j'ai l'impression qu'il sait faire que courir ces gens. Bon, c'est un style de jeu particulier, mais c'est un style de jeu. Ah oui, Lionel. Eh, Lionel. Le lob. Oh, magnifique. Bien joué, Lionel. Ah, heureusement qu'il est là. Magnifique passe de. J'ai pas fait attention, c'était qui? Magnifique passe. Il me semble que c'est Piatti. J'ai vraiment pas ralenti, excusez-moi, j'ai pas fait attention. Mais quel lob de Lionel. Hein.
Ouais, bon bah Lionel, c'est Lionel. Il n'y a pas d'autre mot. Ah, bien vu, bien vu. Je mets pas beaucoup de lobes, à vrai dire, j'entends pas trop. Et bah, ça va peut-être me donner envie d'en tester un peu plus. Bon, et à part ça, c'est un triplé de Lionel. Triplé de Lionel. Allez, attention. Attention, attention, faut qu'on fasse attention. Ah, bien vu, ça, c'est ça. Eh ouais, les gars, on est bien, on est bien. C'est vrai qu'il joue à 10, c'est vrai qu'il joue à 10. Donc, Lionel Messi 3, Pato 2. C'est un peu ça. Non, Messi qui a mis deux buts un peu en... Non, il a mis un but, il a dû se démerder un peu tout seul. Mais regardez-moi ça, le premier, c'est un superbe centre. Et puis ensuite, il est là à la conclusion. Bon, certes, c'est son talent qui a fait un peu beaucoup. Et en sachant que l'autre équipe, c'est un peu comme s'ils étaient 11, parce qu'ils ont un peu mon gardien avec eux. Hein, c'est vrai que mon gardien les aide vraiment pas mal. Allez, voilà, c'est bien vu. Lionel Messi maintenant. Lionel Messi. Ah, je me suis complètement trompé de touche. C'était censé être un Ronaldo Shop. Mais c'est pas grave, je me suis un peu trop précipité. Allez, on va récupérer la balle, on s'affole pas. Allez, tranquillement. Magnifique, magnifique, ça va jouer bien. Las, ah, on peut voir, il est pas technique du tout. Il fait des bons appels, ça, on peut pas lui enlever ça. Il fait de très bons appels. Bien joué. Quand je vous dis qu'il est avec eux, mais c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave. Non, franchement, ouais, Las qui fait de très bons appels. Niveau finition, bah écoutez, il n'est pas encore marqué. Niveau passe, bah, c'est correct sans plus, quoi. Et alors que là on peut voir Piatti qui part mais si. Allez, là ce qui part pas là. Mais il va partir quand même. Énorme passe de Messi, il va centrer. La tête de Piatti peut-être, non, toujours pas. Ah oui. Là Messi pied droit. Ah c'est dommage, ça a été contré. On aurait pu mettre un petit quadruplé avec Lionel. Allez Nelson, il est là, Nelson. Nelson qui est moins en vue que lors du dernier match. Allez, Abou. Abou, magnifique. Las. Oh, magnifique Piatti qui le met dans le vent. Oh, il s'est fait découper. Oh, il s'est fait littéralement découper. Ah ouais, il avait fait un bon petit Ronaldo Shop. Et là, il allait se mettre en arme pour... Il est tiré. Bon, bah, il est pour Léo. On va faire genre on tire à deux. Comme ça, ça va peut-être lui faire sortir de son mur. Non, même pas. Bon, attendez, on va pas prendre de risque. Le Messi, hop là. Non, bon, il revient quand même sur la ligne. Bon, c'est pas grave, on n'a pas besoin de ça pour pas marquer. Lionel Messi, oh, il passe à côté, c'est dommage. C'est vrai que Lionel Messi, dans ses épisodes de Lionel Messi va retrouver le haut niveau, eh ben, il marque pas mal. D'autre part, j'avais envie de... Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai mis des miniatures, ça fait 2-3 vidéos qu'il y a des miniatures. Écoutez, dites-moi, j'ai ça, vous avez beaucoup de choses à me dire dans les commentaires, mais est-ce que franchement ça vous plaît? Alors que là, Lionel Messi va frapper, et... dommage. Est-ce que ça vous plaît les miniatures? Alors certes, c'est pas un travail d'un GFI, c'est moi qui les ai faites. Donc j'avais envie, je sais pas, j'avais rien à faire, FIFA ça m'énervait, je me suis dit, bon, la majorité des youtubeurs ont des miniatures, je me suis dit, bon, pourquoi pas moi? Alors certes, la majorité des youtubeurs contactent un GFX, attention, contactent un GFX, un graphiste, qui sont un peu pro pour faire des images comme ça, et ben écoutez, moi j'ai décidé de faire ça tout seul, de pas demander à un GFI, je vais pas en embêter un, moi je me dis bon, je vais en faire, ça, certes ça sera pas au top, j'ai aussi refait mon logo tout seul, d'ailleurs mon logo vous regardez c'est en bas de la vidéo, enfin il est pas dans la vidéo, c'est à côté de mon prénom, enfin de mon nom à côté, c'est Marc-André Jekyller, et à côté d'une image, c'est mon logo. Donc ouais, c'est moi qui ai tout fait tout seul, alors certes c'est pas un travail d'artiste non plus. Je pense que je me suis pas trop mal démerdé. J'y avais jamais touché à Photoshop avant. Mes photos, bah, je retouche pas trop. Non, c'est la première fois que je touchais à Photoshop. Et je pense que je me suis pas trop mal démerdé. Je pense que je peux encore m'améliorer. Mais pour ceux qui... Bah, regardez, là, mon logo à côté... enfin, c'est marqué en Jekyller en bas de ma vidéo. Enfin, pas dans la vidéo, je sais pas si vous comprenez. Et il y a un petit logo, je trouve ça plutôt sympathique. Donc ouais, donc bon, rien d'exceptionnel non plus. Mais je trouve que pour une première fois, je me suis pas trop mal démerdé. D'ailleurs, je vais créer un Twitter. Alors, Twitter, écoutez,
Je vais le créer, je pense que je vais le mettre dans la description de ma prochaine vidéo sur le Tour de France. Ouais, comme ça vous pourrez suivre mes vidéos un peu mieux. Et puis vous serez au courant un peu de tout ce que je vais faire. De tout ce que je vais faire. Alors certes, ça n'intéresse pas, hein, je comprends tout à fait. Mais genre, si je dis bah les gars, venez on fait un FIFA, bah c'est sur Twitter que je vais l'annoncer. Je vais l'annoncer sur Twitter pour faire un petit FIFA avec vous les gars. Ou même, genre parfois il y aura peut-être même des petits concours sur Twitter. J'ai certainement posté des photos, genre des nouvelles équipes que je crée en avant-première, des équipes que je crée mais que je vous présenterai pas sur YouTube, plein de trucs comme ça, ouais, franchement, voilà. Donc si vous n'avez pas un Twitter, d'ailleurs, je vous invite vraiment à en faire un. Je me suis mis à Twitter depuis peu, mais je trouve vraiment ça vraiment pas mal. J'étais un peu sceptique de Twitter, et puis finalement, hein, franchement, c'est vachement bien. Donc j'en ai un personnel, donc je vais pas vous donner, mais je vais en créer un spécialement pour la chaîne. Donc voilà, donc j'espère que l'initiative vous plaira. Donc vraiment, quand je jouerai les après-midi, genre, qui veut faire un Battlefield avec moi, un Call of, donc ça sera essentiellement sur Xbox. Mais aussi, genre, je vous dirai quand je serai en train d'uploader mes vidéos, ou je sais pas, plein de trucs. Je vous dirai vraiment plein de trucs, je peux pas encore tout vous dire quoi essentiellement, mais voilà, je pense que c'est un peu pour être plus proche de vous. Et puis je répondrai quasiment à tous vos tweets, hein. Là, c'est clair que dans les commentaires, c'est un peu chaud à tous vous répondre. Mais sur Twitter, je pense tous vous répondre, hein. Il y aura pas de soucis. Attendez, attention. Pas de chichi, elle est au-dessus, c'est nickel. Je pense vraiment quasiment, bah mis à part si du jour au lendemain je reçois 100 tweets à la minute, ça va être un peu dur pour moi de répondre à tout le monde. Mais bon, je pense pas que ça va être le cas. Donc voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire au niveau de ma chaîne. Alors que là, ouais, on prend un peu l'eau, la frappe. Sergio Asenjo, il se rattrape de son match assez merdique. Mais c'est vrai que j'avais envie de vous parler, de prendre le temps de vous parler tranquillement. Mais c'est vrai que le jeu n'est pas traité. Enfin, mon jeu là, en ce moment, lors de ce match, n'est pas forcément au top. Ouais, c'est vrai que je joue pas forcément hyper bien. Allez, voilà, touche tranquillement. Bon, il y a eu un tir de plus que moi, on peut le voir. Et bon, c'est vrai qu'avec Lionel Messi, les gars, on peut se permettre d'avoir des coups de moins bien. Attention, la touche loupée, complètement loupée. Je sais pas pourquoi. Allez, piatti énorme. Las, bien joué. Il va trouver Messi. Oh, Messi, il va passer. Messi. Attention, Messi, il va revenir. Ah, j'ai tenté Ronaldo Chop, mais je me suis fait couper. Et alors, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Je sais pas s'il se touche les roubignoles. Mais ça fait au moins la troisième fois qu'il m'épose. Allez, s'il pouvait passer. Donc moi les gars, j'habite en Lorraine et c'est déjà la fin de mes vacances. Hein. Écoutez, je reprends le bahut le lendemain, enfin demain. Donc ça va, attention, je fais le pont, du coup il me reste plus que deux jours. Attention. Oui, Kadamuro, nickel. Beau retour. Donc ouais, donc je reprends le bahut deux jours et ensuite j'ai un pont. Donc, ah dommage, j'ai pas passé. J'ai un pont de 4 jours. Ensuite j'ai le brevet blanc. Donc ça va être assez chaud, Asenjo, magnifique. Ouais, je joue vraiment mal. Donc j'ai le brevet blanc et ensuite je pars une semaine à Londres. Et malheureusement je reviens le samedi matin. Et le samedi soir c'est la finale de Ligue des Champions. Je serais bien resté en Angleterre pour regarder cette finale. C'est vraiment dommage. Avec un Bayern Dortmund les gars en finale de Ligue des Champions, je pense qu'on peut pas rêver d'un match mieux. Ah si elle passe, elle bute. Allez, Piatti va l'envoyer. Ouais mais bon, Gamberini c'est du solide quand même. Bon mais les gars, je crois qu'on va gagner, on va gagner ce match normalement si tout va bien. Magnifique, Piatti, magnifique pour Messi. Oh non, les jouets, j'ai fait un petit festival, enfin un petit festival rien du tout non plus mais. Allez, on va mettre ça dans la boîte. Non, toujours pas but. On va faire attention. Ah pas un but dans la dernière occasion quand même, ça serait vraiment débile. Ah, Luna, il a une charrée. Mais non, il a pas de charrée, Luna, il a pas de charrée. On va changer de jeu, carrément. Ah, je me suis trompé, mais c'est pas grave. Ah, là, enfin, attention, dernière peut-être occasion. Non, c'est bien, on est dedans. Ouais, bon, ouais, écoutez, les gars, on va gagner. Bon, c'était qu'un huitième de finale, enfin, un huitième de finale, mais bon. Ah, il la frappe. Ah, dommage. Donc, je vais vous présenter après le gardien, un gardien et un milieu central. Donc on va voir, je pense que
Vous êtes au courant que je vais vous proposer quand même du lourd. Hein. Je suis pas comme ça. Je m'en fiche de claquer mes crédits. Vous voyez, la preuve, c'est que j'ai Messi. Pas beaucoup de youtubeurs ont Messi, tout simplement parce qu'ils gagnent leur crédit, ce que je comprends tout à fait. Pour créer d'autres équipes. Moi, j'arrive à créer des autres équipes en ayant Messi. Donc écoutez, ça va, j'ai de la chance. En même temps, c'est vrai que j'ai fait pas mal de matchs. Donc je vais vous présenter 4 joueurs. Donc 2 gardiens et 2 milieux centraux. Et vous me direz dans les commentaires qui vous voulez. Alors que là, ouais, bah, c'est un peu le bordel parce qu'ils sont expirés. Mais bon, le premier que je vais vous présenter, les gars, c'est Casillas. Voilà, Casillas, je pense que... Voilà, Casillas et Casillas, 91 en plongeon, 92 de réflexe. Voilà, 85 de position. Casillas, les gars. Donc voilà, vous avez le choix entre Casillas et Victor Valdés. Je pense que la différence, elle est nette. Mis à part le prix, il n'y a pas une... Enfin, si, il y a une différence partout. Il y a une différence dans le prix aussi, il vaut 50 000 crédits moins cher. Mais bon, moi ça ne me dérange pas de mettre le prix pour Casillas. Donc je vous pose la question, mais je pense que la majorité d'entre vous vont mettre Casillas et ça me plaît. Donc alors là, les deux milieux centraux qui vont jouer dans l'axe sont deux milieux centraux qui me plaisent vraiment. Alors là, j'ai mis MDC, mais je vais les faire jouer en MC bien évidemment. Donc il y en a un, il s'appelle Xabi Alonso. Voilà, Xabi Alonso, je pense qu'il est... Il est certes un peu lent, il n'est certes pas très technique, il a une bonne défense, il a surtout 88 de passe. Bon bref, voilà, Xabi Alonso, 87 de général, il est juste énorme. Mais voilà, lui c'est une petite perle, une perle, comme j'aime bien les perles, regardez-moi ça. 15 000 crédits, il est toujours pas parti. Alors voilà, je vais le faire jouer MC, écoutez, c'est le meilleur tireur coup franc du jeu. Voilà, rien que ça, c'est le meilleur tireur coup franc du jeu. Mauvais pied, 4 étoiles, pas mal. Geste technique, 3 étoiles. Ça va, potable. 84 de défense. Écoutez, il a plus que la majorité des défenseurs centraux. 77 de vitesse. Pff, énorme. 71 de passe. Potable. 75 de tête. Ça va, ça va. Franchement, il a des stats équilibrées. Et franchement, ce joueur me fait avoir des frissons. Des frissons. Donc voilà, donc vous choisissez soit Xabi Alonso, soit Medel, ou soit un des deux gardiens. Donc voilà, écoutez les gars, faites-moi péter la boîte j'aime. S'il vous plaît les gars, un petit j'aime, ça prend 2 secondes, ça me rend vraiment heureux. Sur ce, c'est un Jekyll, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me dire ce que vous pensez de mon micro. Allez, ciao tout le monde!